بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدتي مريم رجبي الكريمة إخواني أخواتي ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة صدق الله العظيم هذا وكذلك جعل فرض الله على المؤمنين الصيام ليكون شهر رمضان شهر الجهاد الأكبر يعني جهاد ضد النفس وشهر التآزر مع الضعفاء والمستضعفين والتآزر والتضامن مع المجاهدين ضد الظلم مجاهدين من أجل تكريس حقهم في الحرية وقبل أن أحيل الكلمة إلى السيدة أنيسة بومدين سأقول كلمة ترحيب باللغة الفرنسية مدام لا بريزيدانت مرسي encore une fois de nous réunir. C'est devenu maintenant une tradition, une très noble tradition que nous apprécions beaucoup en ce mois béni de Ramadan. Et permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous nos invités, quelles que soient leurs convictions religieuses, tous ceux qui sont là et qui sont les amis et les soutiens déterminés pour la cause de la justice et du droit, pour la cause des Moudjahidis. Le mois de Ramadan... disons le jeûne a été prescrit à toutes les grandes religions comme étant le mois disons de la solidarité avec les démunis avec les personnes vulnérables ceux qui combattent pour la justice et pour le droit et évidemment c'est le meilleur moment pour avoir une pensée, nous pensons tous les jours aux habitants d'Ashraf, tous les jours, parce que c'est tous les jours depuis des années que leur sécurité est menacée, qu'ils sont agressés régulièrement, qu'ils sont des fois même massacrés. Mais aujourd'hui, nous pensons à eux particulièrement, parce qu'ils incarnent non seulement la résistance iranienne, mais aussi ils incarnent ce qu'on appelle en islam le jihad al-akbar, c'est-à-dire le combat de tous les jours, le combat contre soi-même et le combat contre l'injustice. Voilà, je souhaite un bon ramadan à tous ceux qui l'observent ici et je profite de cette occasion pour dire notre conviction intime et notre espoir que c'est peut-être la dernière fois que vous nous invitez ici et que la prochaine année, ce sera à Téhéran, Inch'Allah. Merci beaucoup.